Yo? Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur Blood and BR de Vampire. Alors, je vous explique, je vous parle là, tout de suite avant qu'on se relance, machin, et tout ça, faut que je vous parle. Je suis dégoûté. En fait, dans la dernière vidéo que j'ai faite, des coups, machin et tout ça, vous connaissez le bail. Là, ça se termine, je quitte le live. Et je me dis, je vais continuer à jouer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je relance une partie. Juste après que j'ai coupé avec vous hein, hier. Putain, j'ai pas fait top 1, mais je fais 3 kills dans la partie, quoi. Alors que j'ai même pas réussi. J'en ai peut-être fait un kill là, sur les dernières vidéos. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Et là, j'ai la partie juste après, 3 kills. Je sais pas, je pense que c'était le passe du stream ou comme ça. Eh oui, il y a des nouveaux défis. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Utiliser un discipline. Ça c'est fait tout le temps. Jouer des parties en spécifique. Bon, on va en faire un. Et puis. Sucer, bon, on va sucer. Ça, c'est pas grave. Ça, saisonnier. Saisonnier, il m'en reste plus qu'un. Allez, on est parti tout de suite. Je lance. Et ouais, donc je vous dis 3 kills. Bon, après, j'ai pas performé plus que ça. Mais juste après, bam, 3 kills. J'ai dégoûté. J'ai dit merde, les viewers auraient kiffé quoi, me voir faire 3 kills. J'aurais prouvé que j'étais pas un nul, même si je suis. Ouais. C'est le début, c'est le début. Accordez le mot, les gars, c'est le début. Je suis pas bon. Suis mi-nul, on va dire, mi-nul. Peux pas dire mi-bon, mais je suis mi-nul, mi. Mi-nul, mi-passable, on va dire. Allez! Ah oui, c'est vrai. Rudia, on va dire. Non, là. D'habitude, je me mets ici, mais là, les mecs vont venir là parce qu'il y a des. Vous voyez, il y a des armes là. On va se le faire tranquille, on va aller là-bas. Bien qu'il va y avoir du monde pour ça et ça, mais. Ah, je veux pas me mettre là. Hop, peut-être une déco là. Brugia, Brugia, on va prendre celui-là. Lui, il saute et il tape avec son poing sur le sol. C'est bien quand t'arrives d'en haut, quoi, mais. Et lui, il met son coup en barrière. Alors, j'aime. Comme je disais les dernières fois, donc j'ai testé toutes les classes puisque j'ai fait les défis. Il y a une classe qui est pas mal. Enfin, il y a le clan des Nosferatu qui est vraiment pas mal. Mais point de vue skin, bon, c'est vrai qu'il faut peur, il faut bien vampire, machin. Point de vue lore et tout ça. Mais j'ai jamais kiffé les Nosferatu. Je sais pas. Des haches quoi.
qui rentre. Ah, essayer de trouver du. J'ai peut-être pas tout pris. Ah, mais oui, mais en plus je suis débile. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi c'est débile. Parce que dans ma en fait, je joue Toreador d'habitude. Et dans ma tête, j'ai les pouvoirs du Toreador. Alors que non. Alors que non. En train de jouer un Broja. Non. Et voilà. Je joue un Broja. Ouais. Là il y a un bâtiment. Propose quoi toi? Oh non, j'ai un lag. Qu'est-ce qui s'est passé? Propose quoi, colérique? Non. Colérique, c'est corps à corps, ça m'intéresse pas. Paillettes comme ça. J'espère qu'il n'y a personne dans les environs. En même temps, il faut bien faire. Se casser. Là, je suis repéré sur toute la map. Hein. Quelqu'un, je crois, non? Ah non. Ah là. Où? Perdu? Ah non, j'aime pas les fusils de chasse. J'aime pas les fusils de chasse. Pardon, de chasse. C'est quoi, c'est de deux. Deux balles après faut recharger et puis c'est. Vous aviez vu le. Comment on appelle ça? Le. La visée là, le réticule. Attends, le bazar. Le bazar il est hyper grand. Tac. Allez, je vais pouvoir reprendre ma classe. Là je me suis rappelé pendant le combat que j'avais le coup de poing qui repousse, mais il faut bien le placer. Et le super saut quoi. Hop, on relance. Reprendre ma classe, même si quand tu joues tout seul, franchement, comment on appelle ça, je recommande le Nosferatu, la famille Nosferatu. Déjà, leur passif s'accroupit.
et invisible. Ça, c'est déjà pas OP. Moi, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, enfin, le premier live, c'est les toréadors en fait. Moi, mon pouvoir. Retourner à l'abattoir. Mon passif, c'est. Passif, c'est je peux sucer en toute tranquillité en fait. Parce que en fait les PNJ quand tu veux reprendre de la vie et que tu croques quelqu'un, si t'es repéré par un autre PNJ, ils se mettent à hurler et il y a un ping sur la minimap qui dit aux gens bah là il y a quelqu'un qui est en train de faire du sale. Et moi en fait j'envoûte tout le monde qui est aux alentours en fait. Enfin, s'ils sont assez près, je peux tous les envoûter et ils poussent pas de. Pas de. Regardez. Hop. Là, il y a un P. Je vous. Et. Allez voir si. Hop! Il est envoûté. Mélancolie. Allez. Je trouve le hangar. Ah, l'abattoir, pardon. L'abattoir, c'est mon préféré, ça fait vraiment. Était ouvert. Si, il y a une caisse un peu. On va dire qu'il y a du meilleur loot. Comment ça, je me suis fait griller? Comment ça, je suis dévoilé? J'aurai un bug de latence? Ouais. J'ai pas touché de voiture. Alors. La zone. Oh là, la zone. J'aurais bien récupéré des bonnes armes là, mais j'ai des bonnes armes et oui. Optimiste. Putain, ils sont là. Vous voyez les mecs là sur ma droite? En bas? Du loup et si j'engage du tir ça va rameuter des gens. Par contre je sais pas si vous voyez
Quand je regarde mon retour, s'il y a un problème. En fait, je vois pas la barre. C'est, j'ai un sniper et je vois pas la barre du milieu en fait pour. Allez, je peux pas les. Voilà. Bon vu. Ah! Quelqu'un a su. Bien. Salut! Ah non, t'es mélancolique. Non, pas dans l'eau. Oui, parce que si vous n'êtes pas au courant, hein, l'eau tue les vampires. Ah. Dans le. Ah! Dans l'histoire de. Dans l'histoire de Vampire la Mascarade. Ah, il y a un gilet. Y a un gilet. J'ai perdu ma souris. Y a un Happy Meal sur pattes. Ah bah. Allez. Ah oui, petite technique, si vous voulez sauter sur un bâtiment en face, glisse avant. Le bonhomme, il va aller plus vite. Gaz rouge approche. La zone. Ouais, c'est mon pouvoir. Une TP, je peux le laisser ici et là-haut, quelqu'un. Ah merde! Désolé, faut que je mette ma manette par terre. Chier, je l'ai perdu. Ah non, non. Par terre, je vais le voir. Ah, il est barré. Gros calibre automatique. La pompe, c'est bien. Enfin, c'est un fusil de chasse, mais j'aime pas. Il aurait fallu un fusil de pompe. Par où? C'est le pouvoir que j'utilise, c'est le pouvoir que qui est de que tous les vampires possèdent. Et Louis. Ah bah. Alors dans le monde du BR, il y a deux types de personnes. Il y a ceux que dès qu'ils entendent du tir, ils y vont. Et puis t'as les petites merdes comme moi qui partent. Ah non, t'as trois personnes, t'as trois catégories. T'as les petites merdes qui, dès qu'ils entendent du.
essaies de survivre le plus longtemps possible. Et après, t'as les stratégies qui disent ouais, je vais contourner, mais je vais pas rester trop loin parce que y a peut-être quelqu'un qui va aller au contact et je peux l'intercepter. Ah, il m'a défoncé. Je suis dégoûté parce que, en plus, le problème c'est que dans le jeu, j'arrive pas à le à enlever mon le vibreur. Je suis dégoûté parce qu'en fait, je l'ai pas vu. J'ai pas vu arriver. Ça m'a fait, c'est pour ça il m'a fait sursauter. Et en plus, je suis tombé sur un mec qui est exactement comme moi. Il avait exactement les mêmes pouvoirs. Ah ouais, moi mon pouvoir c'est une sorte de grenade flash, mais je sais pas si c'est quoi. Mes respects. Allez, je relance une partie. J'ai encore un peu de mal, j'ai commencé que hier. J'ai joué à des BR, mais jamais été vraiment bon. Je voudrais quand même performer un petit peu, quoi. Et des mecs, réussir à faire. Au moins un top 1 pour voir ce que ça fait. Je suis planqué. J'ai fait top 2. Le mec était prenable, j'ai complètement mal joué. Retourne à l'abattoir. Oh, c'est un coin que j'aime bien ici. Ah, quoique il va y avoir du monde. Peux pas trop pinguer en fait. Quand j'essaie de pinguer, ils mettent un endroit spécial. Mais... Ouh, il y a du monde autour de moi. Il y en a un juste derrière moi. Ouais, ne se tout. Je pense que celui-là, c'est le meilleur. Ah, quoique celui-là. Je sais pas, il y en a un, il a une grenade sorte de mine que tu mets sur un mur ou un truc, dès que le mec il passe à côté, ça l'empoisonne un peu. Et t'en as un autre, il met une sorte de nuée de chauve-souris. Fait que si tu passes dedans ou à côté, ça fait une sorte de wallhack. C'est même pas une sorte de wallhack, c'est un wallhack quoi, c'est ça détecte ta présence et le mec te voit en rouge même à travers le mur. Et leur pouvoir, moi c'est mon pouvoir, c'est l'ATP là, et lui c'est il se transforme en fumée et il part vite. Il peut vite partir quelque part. Tu disparais et tu pars donc. Et quand t'es accroupi, comme je disais tout à l'heure, t'es accroupi, t'es fufu. Donc ouais, ça peut être pas mal de. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui le prenaient, qui jouaient bien avec. C'est vrai que c'est une bonne strat, mais je sais pas. J'aime bien les toréadors. Dans l'univers de Vampire la Mascarade, parce que ce BR se déroule dans l'univers de Vampire la Mascarade, je sais pas, je trouve que les toréadors ils ont la classe, c'est les artistes, donc chanteurs, sculpteurs, peintres, acteurs, machin, c'est les.
les vampires et tu. Ça au cas où. Pas corps à corps. Qu'est-ce que tu me proposes? Ouais, si. Ah là là! Au moment où je. Où j'allais l'aveugler. Ça, c'est de se faire tout ça. Bon, après, le mec, je sais pas s'il a payé ou quoi, mais il a déjà un. Ah oui, il y avait le camion, je l'avais pas vu. Je sais même pas si. Un AFK. Ah, il y a un AFK, je suis pas tombé dessus, je suis dégoûté. En fait, dans des dans certains VR, excusez-moi, j'étais en train de bailler. Je suis le genre de personne qui, quand tu sautes avec l'avion ou quoi que ce soit, j'attends le dernier moment. Je saute quand l'avion me dit de sauter. Parce qu'il y a toujours des mecs AFK en fait qui tombent au bout du truc et je me fais mes kills comme ça. C'est pute, on peut le dire, on peut le dire. Je faisais ça quand je jouais au BR Game Royale. Avant qu'il le défonce. Rim Royal, c'était un peu le même système, tu choisissais ta classe, t'avais des pouvoirs, des machins, et puis un jour ils ont dit. S'en fout des classes, on met n'importe qui peut avoir n'importe quel pouvoir. Bah il n'y avait plus aucune stratégie. Ah, je vais mettre là. Oh non, le nord, on y avait été. Ah, il y a du. Celui-là, c'est la muse. Et celui-là, c'est plus pour le. C'est un healer. Plus pour le côté. Quand tu joues en groupe. Je pense qu'il est bien quand tu joues. Avoir un healer dans sa team. Quand tu te quand tu heal ou quoi ou tu peux rien faire, tu peux pas attaquer quoi. C'est pour ça que en team c'est cool. Allez les mecs, on accélère. Ouais, sur l'affrontement, maintenant que je me refais l'affrontement dans ma tête, j'ai mal joué. Je suis resté statique, j'ai pas bougé. Normalement, tu te caches derrière une bagnole, tu sautes, tu fais des trucs. Là, j'ai rien fait. Je suis resté statique. C'est normal que je suis mort.
Oh de la merde. Ah putain, il me faut une arme vite fait là. Tomber sur ça. C'est ça, ça fait ça, ça prise, ça s'appelle le ça se fait raptus, ces grenades, ça fait ça. Oh la merde. Et j'ai fait sonner le comment on appelle ça? La voiture. Ça fait que tout le monde a pu le voir sur la. Oh, et là c'est un deuxième sniper. Là on regarde pas dans la lune. Ah, le truc qui me fait chier, c'est qu'ils sont, il y en a encore des autres. Et eux, ils ont des meilleures armes. Allez, il y a la zone qui va arriver. Alors. Jamais si c'est bleu. J'espère que seulement oh, ça va, j'étais assez loin. J'ai envie d'essayer mon arme parce que je sais pas si c'est le que j'ai déjà pris. Ah d'accord, ouais. Peut-être qu'il fait 3 coups par 3. Alors. Ah, il y a eu. Oh. Ça me dégoûte. 11e sur 42. Et ça me dégoûte.
tomber sur ça, non mais. Par prendre dans le dos. Ah d'accord. D'accord. En fait, les mecs que je viens de buter là, les PNJ avec les armes, c'est une organisation secrète qui se... Enfin, c'est une organisation paramilitaire qui s'occupe de buter les vampires. Il s'appelle l'entité. Et apparemment, je dois sucer deux entités là. J'en ai fait une. L'autre il m'a coupé en plein milieu. Un peu d'eau. J'espère que vous avez pas entendu. Alors, si vous pied. Ouais. Me refaire l'entité en fait. Et vu qu'il y a du stuff sur le toit, je me dis peut-être il y a du sniper ou autre. Ok, là c'était un sniper, mais ça peut être. Il y a l'abattoir aussi. Y aller, mais j'ai vu qu'il y avait trois, il y avait deux ou trois mecs autour. Et je me dis que y aller. En fait. Au même endroit. Ah vas-y. Et ici c'est de la merde. Ça donne que de la merde. Toi. Je sens.
Oh, je vais crever. Et non. Petit boubou qui fait plaisir, on prend le dernier et on se casse. Allez belle. Allez belle, elle est belle. Eh belle. J'aurais pas dû vous charger. Ouais, je vais régaler. Ouais, je fais n'importe quoi. J'ai bien joué. J'ai monté, il est venu sur le côté, il m'a défoncé. Avec un fusil. Pardon. Repas du. Ah, ça m'énerve de jouer comme ça. Je sais. Je sais que je peux faire mieux. Bonjour. Votre chemin à être libre de toute embûche. Là, je suis déçu, le mec il venait de me donner une arme violette là. Fusil d'assaut. Par contre, j'espère qu'ils vont remettre d'autres armes, d'autres fusils d'assaut. Là, qui tire 3 balles par 3 balles. Je sais pas encore quelle arme est la plus OP. Donc ouais c'est un peu. Ouais tu veux me dire ouais t'as rien de prendre l'arme qui est la plus si tu te sens pas bien avec. Oui. Bien, je veux dire. Pas tort. C'est bon. J'ai fait un peu le tour des armes et j'ai pas trop. J'espère qu'il y aura d'autres. Il y a la cam, mais. Pourquoi je reste appuyé sur la. J'ai tendance en fait avec la cam de faire. S'appuyer, je devrais faire. Comme le l'arme. Comme le vaisseau. Peut-être petit coup par petit coup, peut-être. Ah, au loin, c'est viable. De près, je suis dans de près, je suis un peu dans la panique. Faut pas se le cacher. Il y a le fusil à pompe, mais à chaque fois, je tombe sur le fusil de chasse. Et ça. Je crois que le fusil à pompe, il est. De près, ça doit être un très bon truc, mais.
tombe tout sur le fusil de chasse où tu mets deux coups, alors boum, boum, hop, t'enlèves les balles, t'en remets deux. Les cartouches, pardon. Non, ça... j'y arrive pas. On s'est tiré un peu. En fait, le truc, c'est que quand je me promène sur la map, je suis assez serein. Et dès que je croise quelqu'un, là, c'est la panique. Voilà. Sérieux? Les carreaux d'arbalète. Oh, des gars corps à corps. C'est un snipe. Merde, j'ai annulé. Ah putain. Pas vite fait. Ah c'est le problème, c'est que je vois pas la barre du milieu. Et attends. Là on la voit bien. Ciel. Ah merde. Attends, je vais... J'ai un pont. Grillé, moi.
voyez, tout ça, c'est un magasin en fait. Et il est... Il est pas. Bon, c'est pas grave. Et ça, c'est un vampire mort. Pas un joueur. Vous allez me dire, mais attends. Là, c'est un vampire mort et c'est pas un joueur. Ça, c'est le fusil de chasse double canon. Eh ben, pour le lore, on est en pleine guerre. Les vampires sont en pleine guerre. Normalement, quand tu veux transformer quelqu'un ou tuer quelqu'un, enfin, transformer quelqu'un, enfin, devenir un vampire. Tuer un vampire. Canard. Il faut demander la permis. Et là, j'aurais pu le tuer. Allez, j'en ai marre. J'en ai marre d'être un sans couille. Même si je perds, je vais le... Et plus que 12. Si vous entendez le bruit de souris là, j'espère qu'il a mis un. Oh non, mais pourquoi je fonce dessus? Je l'ai vu, je l'ai regardé, je me suis dit bah. Ah oui, connard. Vous voyez, c'est ça son truc de chauve-souris. Ah putain, je suis déçu. Il avait rien en plus. J'aurais pris mon pompe, j'aurais pu le défoncer. Je lui ai même pas enlevé ça. Je lui ai même pas enlevé son. J'ai mal joué. J'ai mal joué parce que quand je... Ouais mais non. J'allais dire j'aurais dû poser mon truc de épée. Ah, j'ai eu ma récompense, jeton. On va voir combien il nous en donne parce que ça c'est la monnaie du jeu. Et le jeu est gratuit. Et free to play. Et les transactions, bien, bonsoir. Et combien ils m'en ont donné? D'accord. Donc, on revient vite fait là-dessus. Dans le pass de combat, comme on n'a pas tout, hein, on n'a que les trucs écrits gratuits. J'ai eu les pièces, je ne savais pas combien ils allaient m'en donner. Ils m'en donnent 100. Donc, ils m'en donnent 100. Regarde vite fait, excusez-moi. Calcul.
Il te donne. Un masque. Pas un masque, un peinture. Hein. Et pour prendre des trucs comme ça. Là, tu peux. Bref. Il retourne. On va rester sur. Ah, si. Restez prudent. Je devrais m'arrêter seulement si j'ai des victoires. Je me. Le jeu, j'arrêterai jamais. Ah, je suis dégoûté, je ne peux pas l'avoir tué. Mais bon, il était bien. Il était bien exposé. Il était exposé, lui, il était derrière un pylône. La flash, elle est trop. Elle est trop longue à sortir. C'est du soin. Du soin, j'en ai partout. Il y a des survivants partout. Des survivants, non. Pas dans un. Elle est pas dans un jeu de survie. Il y a des. Comment on appelle ça? Il y a des civils un peu partout. Il y a les civils spéciaux, je sais pas si je les ai tous. Il y en a qui te permet de. Alors, si je dis pas de conneries, je crois que Mélancolie, c'est. En sprintant, tu peux remettre un. Ah non, tu peux remettre un. Le soin ou. Un bouclier, il va continuer à courir. J'ai le truc qui me donne du. Optimiste qui donne 0,5 points. J'en ai un, c'est pour les attaques au corps à corps. Il y en a un qui est pour. Oh non, les mecs sont deux. Oh non. Allez. Encore 10 secondes et je peux revivre. Laisse-moi vivre. Voilà. Ah, puis le problème aussi, c'est que. Putain, je chope une AK, les mecs ils me laissent avec le double gun. Ah, mais premium, non, j'ai pas acheté le. Il est pas fou le. Comment on appelle ça? Le pass de combat. Bonsoir à vous. Y'a que le. Il n'y a que le niveau 20 qui vaut le coup et après. Le pass de combat va juste. Il n'y a que le niveau 20. Pour moi, il n'y a que le niveau. Le costume, il est pas mal. Le truc de chasseur, je sais pas trop. Non. Ah. Surveillance. Elle est pas mal.
Celui de fin, il est pas. Bon, déjà, faut. C'est bien pour un personnage féminin, mais. En perso, moi, je joue un perso masculin. On peut choisir son père, son sexe, hein. Normalement, je peux jouer un mec. Mais bon, c'est le début. Le jeu, il est sorti quand? Il est sorti le 7. 7 septembre. Leur premier pass de combat, machin. Ouais, on verra bien plus. On verra bien pour le prochain. On verra les nouvelles. Là, il n'y a qu'une seule map. On verra prochaine fois, prochainement. Ils vont rajouter des maps. Qui rajoutent peut-être des armes. Des modes de jeu aussi, parce que là il n'y a que le un BR, on va faire 36. Retourner au chantier, hein. Attends, il va y avoir du c'est du loot spécial, il va y avoir du bon. En fait, c'est ça le truc. Un mec qui s'est joué essaye d'aller dropper du grec. Peur d'avoir le meilleur stuff dès le début et tu les mecs. Après, déjà les couleurs, j'ai encore du mal. Je sais pas si c'est le moins bon est bleu. Vert, je pense que c'est bleu, vert, violet et orange, ma couleur or quoi. Si c'est vert, bleu, c'est vert, bleu ou vert à votre avis? Moi je dirais vert, bleu parce que le bleu peut tourner du côté violet. J'ai du bleu, c'est là du vert passé au bleu. Ouais, je sais pas, je sais. Mais tous les jeux, c'est pas pareil. J'ai vu des jeux où le commun c'est bleu, après ça passe violet, bleu, vert, les autres couleurs, et d'autres c'était vert, bleu, machin. Ils ont même pas mis gris. Bon, tant mieux. Même les armes qu'ils nous donnent dès le début, je crois que c'est des verts. Attends, si les armes qu'ils nous donnent dès le début, c'est des verts. Bon, je regarde si l'arme dans ma main, c'est un vert. Le prochain palier, c'est un bleu. Et oui, je suis. Mais par contre, si c'est gris, faut le savoir. Et oui, mais je crois que c'est vert. Si c'est vert, en fait, je suis. Et oui, c'est vert. Et oui, c'est vert. Ou non, pas dans l'eau. C'est vert, donc c'est bleu le prochain. Là-bas. Là-bas, il y a un jeu. Un gens qui se fait pour. Ah, j'ai pas eu le temps de me sauver. J'étais pris entre deux feux. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Oui, c'est fait. Défend. Attends, faut regarder le stuff qu'il avait. Ah, pas vu.
D'accord, donc je viens de répondre à ma question. Débile, en fait. Je suis sûr que tout le monde l'a vu. Même sur le dernier live que j'ai fait. Et... Tout le monde devait se dire, ouais. Ah non, dans mon live, j'avais personne qui parlait. Prenez soin de vous. Que des muets dans. Et ouais, sur... peut-être le dire dans les commentaires YouTube. C'est bleu, hein, le prochain. Ton arme de base est verte. Je savais pas qu'ils étaient là. Voilà. Là, pour une fois, je prends l'initiative. On y retourne. Ah, vous savez quoi? Allez. Rien que pour le live. Rien que pour vous, je me fais pousser des couilles. Allez, on va à l'abattoir, on va aller chercher les armes d'élite. Histoire de tuer tout. Allez, je vais à l'abattoir, je fais 2 kills, je prends le loot. Et après, hop, on roule sur la game. Je fais 4 kills en tout, je fais top 1. Je déconne, je vais. Je vais faire moins d'une minute, je vais prendre 2-3 armes, je vais arriver à l'abattoir, ça va être 4. Je vais être le premier à tomber. C'est connu, hein, c'est connu. Vous savez quoi? Après, je vais tester. Je vais tester. M'amuse. Non, la sirène. Voilà. En muse. Après, je teste la sirène. Je vais devenir sirois. Le masculin de Siro et Tiroi. Le roi Triton. Sirène. Les garçons. Bonne question. Merde, j'ai pas de loot. Non, merde, lève-toi. Attends. Et voilà. J'avais dit. Regarde vite fait, mais il y avait du bon. Pas plus que. Et même que. Même qui dit pas ça, la caisse a lié tout. L'abattoir, je sais.
Pas souvent la chercher. Problème, c'est que, en fait, quand je suis passé et j'ai ramassé les deux armes, je l'ai pas. J'attendais pas à tomber. Putain, les femmes de ce Raptou. On pensait aux vampires dans la série. Train? Train? Ceux dans. Dans Blade. Ou le culte encore, le film 130, Nosferatu. Et quand on y retourne, c'est mon titre. J'ai décidé en fait. C'est le premier. Dès que j'ai commencé à jouer, la première partie. Ah, vous regardez. C'est le premier que j'ai mis. Sans le savoir, j'ai regardé vite fait, j'ai dit ouais là. Et après, j'ai vu, c'était l'abattoir. J'ai dit. Chica. Allez. Allez, bordel. J'arrive à faire du kill. Pour l'instant, les seuls kills que j'ai fait, c'était les PNJ. Et même là, j'ai dégusté. Par contre, je crois que je venais de prendre de nouvelles armes. Des sortes de grenades ou j'ai tiré vite fait, je savais pas c'était quoi ça. Et les arbalètes, j'ai vu que ça avait pété direct. Mais... j'ai fait un coup de roulette pour sortir ma deuxième arme avec ça. Et le mec m'a mis un chasse. Ah là là. Là, le problème c'est que j'ai été éliminé en début de game donc, et j'ai relancé tout de suite mais t'as les mecs qui... la caisse. Regardez, hop, c'est un abattoir. Dans la salle secrète. Non. Hein? Là, il y a des. Allez. Fais tirer.
Ah merde. Allez, bon, on arrête de faire le con. J'ai pris. Un mec sur... J'ai entendu. Enfin, je crois avoir entendu. Oh non! Ah putain! Les mecs là. Ah bah c'est ça, vous voyez. Une sirène. Ah oui, c'est vrai, je devais tester sirène. Et ben, on va tester sirène. Allez, sirène. Là. Bonsoir. Je dirais pas que c'est la honte, mais c'est vrai que. C'est vrai que je suis pas fort. C'est vrai que je suis pas fort. Ouais. Ça me saoule aussi, hein. Ça me saoule aussi. Moi aussi, je voudrais des mecs faire des bonnes games en disant. Ouais, bon, voilà, j'ai perdu, mais j'ai fait 3 kills. Ouais, je sais pas, j'ai fait 3 kills dans le top 10. Je sais pas, faire 5 kills dans le top 1. Ça fait plaisir, et en même temps, ça me ferait plaisir de vous plaisir en vidéo, quoi. Et tu sais quoi? Allez. Non, la muse. D'accord, c'est la muse, je jouais la sirène. Okay. J'aurais du sens contraire. Hein. De briller, machin. Hein? Mais bon. Ah bah non, une muse. Ouais, c'est l'inspiration. La vie. Personne. Ouais, ouais, c'est. Pas musée, on va voir. Bon. Passif. Ah oui. Passif différent. J'ai toujours la TP parce que ça c'est base la classe. J'ai toujours ça, TP.
Donc maintenant c'est si je meurs par terre. Ça me remet tous les spells. Vous voyez, je peux me soigner et il faut qu'il... Ça sert quoi. Et déjà d'une, je suis dégoûté, mais de moi-même. C'est mon quartier et... possible de me rappeler à quoi ça ressemble. Bon retour parmi nous. L'abattoir, j'ai pas trouvé son nom. Adieu. Ah, ça a vite repris. Ah non, des fois ça fait ça et puis. Après, je sais pas, déjà, si on attend un petit moment, on peut se raise. Enfin, on peut revenir à la vie. Ah, si, quoique. Ça peut être pas mal, le personnage. Désolé, je fais un peu de bruit, mais. Oh, j'ai été chercher des. Bateaux. Histoire de me. De me réconforter. Remis dans la petite ruelle, ils mettent tout le temps là. Dans la petite ruelle, le petit chemin là. Petit gâteau pour faire du baume au cœur. Allez. Je sais pas quoi dire. Je vais pas casser mon bureau comme tous les gens parce que. Entièrement.
Il me faut un truc. Sample. C'est ça. Il me faut un sample de quelqu'un qui est énervé. Et que moi, quand je suis énervé, je reste calme et j'appuie sur ce sample. Pour que la personne s'énerve. Pas comment vous dire. Genre. Pour l'instant, comment je ressens ma prestation? C'est nul! Voilà. C'est pas moi qui dis. Et ça dit un peu ce que. Je vais reprendre Sirène parce que je pense que la grenade flash ça aide. Même si je devrais. Franchement, je devrais jouer de faire abattu. Je n'aime pas. Pas fan du design de. Ça fait vraiment vampire. C'est cool, mais. Venir, je l'attends. En une calache. Quelqu'un est passé.
Ah, c'était du violet, mais c'est un... avec un coup. Ça fait un peu beau. Pas mal bouffé. Au mineur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, j'aurais dû prendre la muse. 11! 11 sur 44! Je suis débile. Débile. Un débile. Bon, vas-y. Vous savez quoi, l'entité, j'arrête. J'arrête de les combattre, les mecs sont toujours... Bien le bonsoir. Puisse votre chemin être libre de toute embûche. Par contre, je pense que je vais aller chercher. Ça peut peut-être m'aider. Je vais aller chercher un SVD si. Ah, si, y en a toujours. Je sais... Pardon. Je sais pas s'ils étaient tous morts. Si on ne m'avait pas vu. Et quand j'ai joué en off, je suis tombé sur un mec de l'entité. Il était tout seul. Juste devant l'église. Et il y avait un gros bâtiment. Je l'ai vu, il était tout seul, je l'ai buté. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait s'il y avait d'autres. Et personne d'autre m'a attaqué. Il y avait juste... Il est mort, j'ai pris son arme. C'est pour ça que... Tiens, et les mecs de l'entité là, vas-y, je vais aller les buter. Non, les mecs sont toujours 5-6. Pardon. Il était tout seul.
Ou alors il y avait les autres un peu plus loin. Ils avaient peut-être tiré sur un gars. Ils sont déplacés. Lui il avait pas pris l'aggro. Il était resté là. C'est fou. Ça va. Franchement. Aucune idée. Ouais. Ah. Voilà. Ah. Que j'ai un bouton de sprint, mais comme d'habitude. Je vais tester un truc. Sur la cible. Et chier la pute. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire, ouais, une AK, c'est... Ah non, c'est eux qui m'ont tiré là-dessus. Quel débile, bordel! Ah non, j'avais dit, il faut pas que je m'aide. Ah voilà. C'est quoi son arme? Pourquoi son arme? Ah, le mec fait deux. Et moi je tombe. J'ai sauté dans l'eau comme ça me saoule des trucs comme ça. Bonsoir. Ah regardez elle est là la tenue. Je crois que c'est ça. Restez prudent.
Vous savez quoi? Je vais faire un test. Ça va me faire chier. Je vais faire un test. Allez voir. Je vais faire un test, mais hein? Ça m'embête. Ah, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris. En plus, dégueulasse. J'ai pas personnalisé, customisé les persos. Jamais j'ai. Regardez-moi, c'est la pire version des vampires. On est bien d'accord, hein. Twilight, ça existe. Ça existe. Mais regardez, je suis désolé, tu vois plein de films de vampires ou des séries de vampires, machin. T'as pas envie de devenir ça. C'est vraiment le monstre qui se cache dans le vent. La créature, quoi, la bête. Soif. Ah merde, d'habitude. Ah non, c'est pas lui! C'est pas leur passif. C'est ça leur passif. Goûter, le mec me tue la batte alors que j'ai une arme de ouf. Donc c'était pas lui. Un autre. Vous voyez déjà, hein? Bon, après, c'est de ma faute. Bien. Prenez soin de vous.
Où est la confession de l'écarlate? Déjà, je me suis trompé de Nosferatu. Là, je croyais que c'était leur leur passif. Comment, non, pas leur passif, mais leur technique de clan. Et non, la technique de clan, c'est la fumée verte que vous avez vue. J'ai sorti mon fou. Il y a pompe là quand j'étais au corps à corps, mais. J'avais déjà utilisé mon pouvoir. Donc. Là non. Oh, ça m'énerve. J'ai pas l'impression d'évoluer. Le jeu vient de sortir, normalement je peux. Je viens de commencer, je ne peux que progresser et j'ai l'impression que là je. Bah, je ne progresse plus. Stagne direct. Le début et je suis déjà en mode arrête quoi. Il reste pas tout le temps comme ça. Oh, je suis un charognard. Oh, je vais redire. Lui, il a une bonne arme. Vous voyez, j'ai même envie de vous dire que ce putain de classe de merde me correspond, mais.
derrière. Oui. C'est lui qui a la meilleure arme. Je l'entends. Merde, je suis dans le... Merde, je me suis fait griller. Oh, il est là. Il est là, le salaud. J'avais une bonne arme. Elle devait être ouais, violette. Et l'arme qu'il a dû récupérer dans la boîte. Comment on appelle ça? Dans la boîte du... Ah. Puisse nos chemins se croiser à nouveau. De l'abattoir. Bon, je voulais un kill. J'ai tué un vampire qui était par terre, ça compte ou pas? Je sais pas, j'ai envie de... Non, ça compte pas. Classe de charognard. Ça c'est bien pour des... Cette classe là elle est bien pour des mecs comme moi. Fébrile dès qu'il y a un peu de monde. Ah. Alors, ça me permet de... faire tester, mais
Encore 19. Où elle est la map, je sais pas où. Merde, j'aurais pu tirer. Pas tout seul. J'ai encore une fois charogné. Elle est belle. J'ai fait n'importe quoi.
ça compte, apparemment. Pas vu, mais j'avais pas fait gaffe, mais ça compte. Donc, si on tire sur un mec et il tombe à quatre, enfin, si quelqu'un il tombe à quatre pattes. Bonsoir. On lance une. On peut toujours se relever. Au plaisir. On peut toujours se relever. Donc, il est pas quand il tombe par terre, il n'est pas considéré. Donc j'ai fait deux kills, enfin là j'ai fait un kill et la partie d'avant, je crois. Ouais, mais je compte trop sur le. Je pense que c'est une bonne classe quand tu débutes. Quand tu débutes, c'est une bonne classe. Tu peux te fufu, machin. Et de gérer un peu ton. Mais bon, si tu t'habilles trop à. T'habitues trop à ça, après tu. T'es fou dedans. De tir, je tombe. Il y a un autre mec qui tire aussi. Et je vais essayer de me barrer, de me heal et de me sauver. D'attendre et de engager la partie sur le mec qui. Ouais, on va tester ça. Bon, allez. Encore 45 minutes de game et puis j'arrête là. J'ai envie de... Je veux pas le découvrir dans... De quelqu'un. J'ai envie de voir ça fait... J'ai envie de le vivre. Le fait de vivre. Après, je peux faire top 1 en équipe aussi, mais... J'ai envie. Dans... Comment on appelle ça? Dans Fortnite. J'arrivais à faire des top 1 sans construction. Bon, je me cachais, mais je faisais des top 1 sans construction. Sans avoir construit. Ah oh, super, j'ai de la merde. Oh. Je vais faire le coup.
un nouveau quartier. Pose quoi? Cléric? Pas encore. Joli. Il est caché dans un coin? C'est juste. C'est grave. Ah merde. La récup de compétences pour le compétition. Là, je suis. De savoir où je dois pas aller. Ouais, je...
Ah non mais. Ah là là, le problème que j'ai eu. Le problème que j'ai eu, c'est que je me suis retrouvé devant lui. Suivez, machin. Je suis retrouvé devant lui. J'ai cru que j'avais mon perso, en fait. J'ai cru que j'avais la classe que d'habitude. Alors que non, j'avais pris Muse. Donc j'ai commencé à me soigner alors que je voulais l'éblouir. Ah là là. Comme quoi, quand vous jouez souvent avec une classe. Des mauvais réflexes. En plus, il y a bien. Bon, pour l'instant, là, j'espère qu'ils vont améliorer la personnalisation parce que trois visages, six coupes de cheveux. Si vraiment faut pour améliorer ton perso, enfin pas améliorer, mais pour customiser ton perso, c'est bah, faut payer. Ah, je retourne à l'abattoir, c'est le quartier. Terre-terre, quoi. C'est la maison. Je connais un peu, je sais que là il y a la caisse, je sais qu'ici il y a le sniper. J'ai envie de dire. Voilà, quoi. Je me suis sauvé pendant le combat parce que j'ai perdu plus ma classe. Je sais. Pardon. Allez d'où? Thank you.
Moi je mets jeu. Violet, ça. Ça, ce serait pas bien. Très bien. Ouais. Ouais, peut-être moins. Pas beaucoup, 0,5. Mais... toujours des trucs à prendre. Attends. Il y avait un mec. Ouais, je l'ai entendu. Vous voyez, en fait, on peut en avoir que 3. Et pas 3, 3, 3, 3, non, que 3. Par où? Hit. Oh putain, un sniper. Merde, je l'ai perdu. J'ai vu faire son... j'ai touché. Ah. Oh là là, comment il est... trop... dégagé. Ah.
Azo. Ah mais mon problème c'est que... Aider hein. Très bien le... Que vous allez me dire? Mais non t'es con, garde ton Japon. Il m'a foutu. Et j'ai passé.
Troisième. Ah les mecs, je les voyais pas, la zone est toute petite. GG, j'ai fait un top 1. J'ai fait un kill, une assistance. J'ai subi une doublerie. Ah, je dis doublerie, c'est... Allez. Parti. Ouais, j'ai fait 3, top 3, c'est bien. À la zone après le devenir. Ouais. Il me faudrait un SVD, mais jusqu'à...
Ouais. Pour l'instant, je... En pleine réflexion. Avec vous. J'ai tenté un truc. Je dis, il est parti. Il est pas parti. J'ai entendu. Mauvaise idée, clairement.
trop long pour que tu... Non, mais c'est pas possible. Écoutez, une seconde près. Une fois j'ai mal joué, non mais c'est comme ça, je joue mal monsieur dame. Ah là là, c'est pas bien. Bonsoir. Yeah. Oh là 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 là, j'arrivais pas à le voir. Et lui il me suivait, donc il savait où j'étais. Il était dans la tour. C'est lui qui venait de me rafaler à l'instant. Ouais, c'est... Non, c'est... Ouais, c'est... J'ai pas de flingue aussi. Donne des armes violettes, c'est des pistolets. Que c'est. Pour la dernière, je... Je vais dans la tempête. Il y a une caisse. Je vais dans la tempête. On redonne la même. J'ai l'impression que... AK. Des armes comme l'AK ou... Faut pas de façon legit, pas le truc. Pas le trou. Un Jean.
pris la caisse. Merde. Ah, ils étaient là à deux, d'accord. Mais il avait la bonne arme. Ah, il y a un fusil. Et il va mourir dans la tempête. Eh, ah, il y a des... Bon. Ouais, je fais de la... Bonsoir à vous. Bon, on va s'arrêter là. Hein. C'est cool. Il était mauvais. Ah, la Divine Disco. La Divine Disco. Ah, j'ai... ah oui, c'est... Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Donc cette vidéo là, je vais la garder. Si je relance un live ce soir ou demain, je ne garderai pas. À moins qu'il y ait du lourd, mais je garderai pas. Un échange. On verra, de toute façon, l'avenir nous le dira. Sur ce, messieurs, dames, prenez soin de vous. Et je vous dis. Ciao les amis.